S'il te plaît, pardonne-moi. Je suis prêt à payer pour tous les péchés que j'ai commis contre toi. Pardon, ne t'en va pas. Ça, c'est exactement ce que je vais faire. Je dois te quitter à jamais. Oui, à jamais. Et je n'aimerais plus jamais te revoir. Et je te promets, n'essaie jamais de chercher à me rencontrer. Sinon, j'appelle la police pour toi. Prends ceci au sérieux. Parce que je suis sérieuse. Sérieuse, Bright. Blessing. Maintenant tu as compris, mon cher Philippe. Blessing m'a quitté définitivement à cause de cet incident. Et je suis devenu la moitié de l'homme que j'étais. Parce que je l'aime. De la même manière que tu aimes Stella. D'accord. Lui as-tu donné le nom de l'ami avec qui tu l'as fait? Non, je ne l'ai pas fait jusqu'à présent. Oh Seigneur, regarde comment je me sens soulagé. Donc, ça reste entre nous, d'accord? Tu es fou? Tu penses comme ça te tirer d'affaire? Tout ce que j'ai à faire, c'est d'aller droit dans un commissariat porter plainte contre vous. Et les gars, je vous assure, vous serez dans une merde terrible. Hey, Bright, je pense que nous sommes des amis. Bien sûr. Ouais, nous sommes tous des amis, mon gars. Nous sommes des amis. Tu es mon gars. Tu me dois seulement une dette que tu dois payer conformément à ce qu'on s'était convenu initialement. C'est simple. Alors, que vas-tu faire? Donc, il t'a plu de briser l'engagement que nous avons pris ensemble, n'est-ce pas? Écoute, mon gars, je m'en fous de comment tu l'appelles, d'accord? Tout ce que je veux, c'est de manger ta femme comme tu as mangé la mienne. Tu manges, je mange. Tu vois? Oublie ça, Bright. Oublie cette putain d'idée. Si tu poses tes mains sur Stella, je vais mettre toutes tes histoires sur la scène publique. Oh! Tu penses me faire peur? Est-ce là une menace? Oh voyons, tu peux faire mieux. Tu penses que je ne ferai rien, n'est-ce pas? Si tu continues ainsi, je peux t'assurer que je divulguerai toutes ces informations. Tout le monde le verra et tout le monde l'entendra. De quoi parles-tu ainsi? Je parle de Lady Belinda. Il y a 7 ans de cela. Tu sais tout à son sujet. Dis-moi, comment as-tu appris des choses sur elle? Ça, ce sont les conséquences du désengagement. Alors tu as intérêt à nous laisser tranquilles, ma femme et moi. Ou les choses prendront bien fin. Autrement, sur le visage de tout le monde. Alors prends ton calme. Salut. Salut bébé. Je n'ai pas vu ta voiture dehors. Ah, il y a trop d'embouteillages. Je ne voulais pas conduire. D'accord. Comment tu vas? Je vais bien. Viens, je vais manger quelque chose. Non, tu ne vas rien. Viens. viens. Oui, viens. Non. Allez, viens.
Bébé, tu sais que je t'aime, n'est-ce pas? Cela veut dire qu'on ne doit rien se cacher. Pourquoi est-ce que je vais te cacher des choses? Pourquoi pas? Tu sais comment les hommes agissent. Ils ne te disent pas tout sur eux jusqu'à ce qu'ils obtiennent ce qu'ils veulent de toi. Tu sais de quoi je parle? Des choses comme quoi? Des révélations, des déceptions, tu sais. Et écoute, je vais me marier avec toi. J'ai juré de le faire. Je vais prêter ce serment par la grâce de Dieu. Est-ce que je ressemble à quelqu'un qui doit te laisser tomber? Ou alors te cacher des trucs, te garder des secrets? Alors il faut penser positivement. D'accord? Enlève toutes ces pensées négatives de ta tête. Hein? D'accord? J'ai peur. Non, 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 ça va. D'accord, je crois que si tu avais déjà acheté la maison, on allait l'intégrer immédiatement après notre lune de miel. D'accord, pas de problème, mais nous allons parler de notre maison. Après avoir parlé de... Non! Attends un peu! Donc nous devons tout arrêter juste comme ça? Écoute, nous n'allons rien arrêter comme ça, d'accord? Nous allons leur permettre de se marier et après nous ferons ce que nous avons à faire. Mais, écoute John, pas demain, d'accord? Pas demain! Nous devons établir un bon plan et ensuite coucher avec sa femme. Réfléchissons sur ce plan. Mais tu m'avais dit que tu avais un bon plan et que Philippe était en train de tomber et qu'on devait coucher avec elle. Et à présent, tu me dis que nous devons la laisser? Cela ne peut pas se passer, John. Fais-moi confiance, ça n'arrivera pas. Donnons à ce gars le soutien dont il a besoin pour s'établir. Et ensuite, nous allons frapper en temps opportun. Ça, c'est la merde, Bray. C'est toi qui as amené cette idée de coucher avec elle en premier lieu. Et maintenant, tu me demandes de laisser tomber? Pas question. Que ça soit clair dans ta tête. Attends, quel est exactement ton problème? Je t'ai déjà dit que je vais m'en occuper. Et je vais vraiment le faire. Pourquoi c'est si difficile pour toi de me croire? C'est si clair, Bray. Si tu ne peux pas conclure cette affaire, qu'on oublie. Regarde-nous. Si on ne peut pas la conclure, c'est mieux de l'oublier. C'est mieux ainsi, mon gars. Écoute, et si je te disais, ce soir, que nous allons coucher avec Stella, avec la participation de Philippe, est-ce que tu pourras me croire? Qu'est-ce que tu dis? Relax, mon gars. Tout se passera bien. Monte. You mean the world to me, I wouldn't.
You mean